Salut Alain. Comme convenu, donc on va essayer de faire un petit point sur l'état de ta préparation pour le championnat du monde de Saint-Brévin. C'est à 2 jours près, c'est dans 15 jours en fait. Oui. Voilà, donc ça fait déjà quelques mois que tu es en préparation pour cet événement majeur du calendrier international. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir où tu en es dans tes préparations. Comment ça se passe pour toi depuis les quelques mois où tu as déjà la tête dans l'événement? Alors raconte-nous. Alors, il est vrai que ça fait quelques mois maintenant, près de 5 mois, que je pense vraiment beaucoup au championnat et que j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour essayer d'être au meilleur de ma forme. J'ai tout de suite, après le troisième tournoi, dès que j'ai su que j'allais être qualifié, je pense que je me suis vraiment remis en question une dernière fois pour Et vraiment, la première des choses, ça a été de définir un emploi du temps et je pense que c'est surtout le côté physique qu'il fallait que je travaille énormément. Parce que bon, je venais de passer une année un petit peu difficile avec beaucoup de démonstrations, beaucoup de déplacements, beaucoup de fatigue. Et donc j'ai consacré en fait juillet et août, et même encore maintenant, à ma préparation physique. J'ai passé en juillet, j'ai nagé, j'allais à la piscine tous les jours, je nageais 2 km par jour. Et là, depuis plus d'un mois, je fais des sorties de footing enfin, à raison de 2 ou 3 fois par semaine. Alors, des sorties qui varient entre 30 minutes et 1h15, 1h20 pour les dernières, là. Et donc, voilà pour le côté physique, mais qui avait vraiment, ça, pour moi, une très grande importance parce que en réalité, je pense que si je suis bien physiquement, je suis fort dans ma tête et je suis au mieux pour pouvoir m'entraîner correctement et surtout avoir un répondant maximum. Parce que les matchs aux championnats du monde, ce sont des matchs de grande intensité, je pense, difficiles nerveusement. Et je pense qu'il va falloir avoir une condition physique hors pair pour pouvoir répondre à tout Donc, ce qui dans mon vient. point de vue là, pour l'instant, tu es parfaitement dans ton programme. Oui. Donc, c'est bien. Alors, maintenant, on a eu des informations concernant les groupes du championnat. Quelle est ta réaction par rapport au groupe que tu as tiré là? Bah, disons qu'à chaud sur le moment, j'étais un petit peu surpris parce que quand on regarde le classement international, on s'aperçoit que donc après le tirage au sort, dans ma poule, je me retrouve avec le numéro 1 mondial, le numéro 2. Moi, je suis 4 dans le ranking et également le Tchèque qui est numéro 12 ou 13, je crois. Donc, une poule avec 3 des 4 du ranking, dans les premiers du ranking mondial, ça fait une poule très relevée. Et ça va faire. Alors disons, c'est tout de suite, on entre en matière assez difficile, puisque je vais jouer le tenant du titre, Wolfgang Zenkner, l'Allemand. Et ça va être d'entrée un match difficile. Et il va falloir que je rentre très vite dans le championnat, il va falloir que je sois bien très rapidement. Maintenant, quelle que soit la poule, je me suis fait une raison. Je ne joue pas les matchs, enfin, je ne joue pas à la tête du client. J'ai 150 points à faire. À moi de réussir à exploiter pour être au meilleur de mes possibilités. Et je pense que, bon, quel que soit l'adversaire, je pense que je suis capable de battre n'importe qui. Maintenant, bon, il y a quand même. Il y a quand même un joker dans cette première poule du championnat du monde, puisque il y aura 2 joueurs qualifiés. Et donc ça retire un tout petit peu de pression, bien que le premier match va être quand même capital, puisque si je subis un déconvenu lors du premier match, il faudra absolument battre Caudron après. Donc maintenant, D'accord. dans des poules de Ah 4, oui, c'est toujours ouais, assez. c'est ça le Tout le haut monde le niveau, sait, hein, effectivement. voilà, tout le monde le sait. On peut très bien s'entrebattre et se qualifier à 3 avec une victoire chacun, enfin, et que ça soit à la moyenne générale.
Donc, D'accord. voilà. Bien, est-ce que tu as des informations sur le matériel qui sera à mes dispositions là-bas? On t'a donné quelques informations là-dessus? J'en ai eu parce que j'ai eu la chance d'aller faire une démonstration dans le club de Saint-Brévin il y a quelques mois, à peu près 6 mois, je crois. Et donc, le président, gentiment, m'avait demandé, enfin, j'avais eu l'occasion, je crois que c'est. Si c'est. Puisque je n'ai toujours pas reçu ma convocation de l'Union mondiale de billard. Je crois que, d'après ce que m'a dit le président, je crois que ce sera des billards bretons avec des tapis verts. Et en ce qui concerne les jeux de billes, c'est de la superamide de luxe, donc deux blanches et une rouge. Mais j'ai l'intention, là, ce soir ou demain, de rappeler le président pour savoir s'il a des renseignements au niveau lorsqu'ils installent des billards dans les championnats. Ne change pas d'un championnat à l'autre forcément le tapis des bandes. Alors je vais tout de même l'appeler pour essayer d'être sûr et certain. Voilà, donc d'en savoir un petit peu plus. Bien que, bon, bah, ensuite, quelle que soit la marque du billard, quel que soit le tapis, quel que soit les billes, on sait tous que d'une salle à l'autre, ça peut différer beaucoup. On peut avoir énormément de roulements, ce qui ne serait pas un avantage pour la bande. On peut avoir peu de roulement, ça peut glisser énormément. Voilà, ça sera la surprise en arrivant la veille du championnat le mercredi. Alors, j'ai regardé donc dans le programme général du championnat, je n'ai pas vu de séance de test des billards. Je l'ai regardé avec Louis Edelin cette semaine à Paris, là. Nous n'avons pas repéré de période permettant aux joueurs de tester les billards. Donc Louis doit s'informer, savoir qu'est-ce qui a été prévu. Tu as eu des infos de ton côté ou pas? Parce que dans les documents Non, écrits, il n'y a rien. du tout, non, aucune information sur l'essai des billards. Maintenant, ce qui me surprend surtout, c'est le fait que le tirage au sort des poules n'ait pas été fait sur le lieu du championnat, puisque bon, c'est mon 10e championnat du monde et dans les 9 que j'ai joué auparavant. Le délégué de l'Union mondiale de billard procédait au tirage au sort avec tous les joueurs présents après vérification de la tenue, donc la veille du championnat, vérification de la tenue, essai des billards, et ensuite il y avait tirage au sort en présence de tous les joueurs. Alors c'est pour ça que ça a été un petit peu la surprise pour les joueurs français comme pour beaucoup de joueurs européens. Donc, parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec eux, c'est pour certains. Et donc, voilà, c'est assez surprenant que le tirage au sort ait déjà été fait. Oui, je pense que ça va créer quelques polémiques. Hein. Parce que enfin, a priori, certains joueurs arrivent avec des performances totalement inattendues. Tout à fait, Puisqu'en ouais. fait, c'est la déclaration des fédérations qui serait prise en compte dans le classement, Oui. dans les fameux chapeaux, en quelque sorte, quoi, avec des têtes de série. Là, bon. Donc il y a déjà dans l'air quelques informations de contestation. Bon, enfin, on verra bien. Bien Ceci sûr, oui. étant, donc. À ce sujet, il y a 2 ou 3 joueurs. Il y a le Vietnamien, pour commencer, qui arrive avec 8,60 de moyenne, alors qu'il n'y a pas eu de championnat du Vietnam. On a ensuite Peter De Backer, qui arrive avec 10, 16 ou 17 de général, un peu plus de 17 de général, je crois. Alors qu'à Brandenburg, il a fait un petit peu plus de 13. Et je crois qu'il a été champion de Belgique cette année à Blankenberg avec 9 ou 9,5 de moyenne. On a également Blondal qui se retrouve tête de série avec une moyenne de plus de 16 qui a été prise en compte sur 3 matchs joués à Blankenberg. Alors pour beaucoup de joueurs européens, si on prend nos moyennes sur 3, Oui, bien sûr. moi par exemple, je suis à plus de 20 de général. Oui, Donc tout à fait. si on Non, mais là, change, effectivement, tout le monde, il y a certaines irrégularités, oui ça c'est saute vrai. aux yeux qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, là. Enfin bon, on ne va pas faire de polémique maintenant, hein. Non, mais c'est clair. Mais même ma moyenne personnelle à 10,01, j'ai eu beau faire les calculs, reprendre et diviser le nombre de championnats, mes moyennes générales, impossible de trouver 10,01
Je ne sais pas d'où ça sort. Selon les conditions de jeu, donc comme tu dis, entre extra roulant, glissant ou peu roulant, etc., tu adaptes comment ton matériel? Qu'est-ce que tu peux réduire le poids si c'est très 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 roulant? Quelle est ta manière d'aborder ce genre de questions sur le plan matériel? Je n'ai pas véritablement de. Je ne procède pas du tout à des changements matériels à cause du roulement. Déjà, c'est toujours un petit peu la surprise, le roulement. Ensuite, on a des fois d'un jour de la météo, de la salle dans laquelle on joue des différences de roulement. Ou même le même jour, entre le matin, l'après-midi ou le soir, en fonction du monde dans la salle, on peut avoir des différences de roulement. Maintenant, ce qui est très très important, c'est la période d'échauffement donc avant le match qui nous renseigne vraiment sur l'état du billard. Alors personnellement, ce problème de roulement n'est pas vraiment un problème dans la bille de près, mais je dirais plutôt dans le demi-distance et surtout sur les rappels. Et donc dans les 3 minutes, 3 ou 5 minutes d'échauffement qui nous sont attribuées, il est important pour moi, qui est un joueur qui joue, je joue le poids de queue, de réussir à bien définir, pour avoir les bonnes forces sur les rappels, de l'emplacement de ma main droite sur le fût, c'est-à-dire reculer plus ou moins ma main droite pour avoir plus de poids de queue, ou pas, en tout cas plus de levier, D'accord. pour pouvoir jouer plus ou moins fort. Bon, bah écoute Alain, merci beaucoup pour toutes ces informations. On voit que De rien, je c'était un sens que le plaisir. moral est là. Très bien, ah oui, ça Excellent. va bien. La Ça va bien. motivation aussi. Donc, prochain rendez-vous, bah, peut-être que je serai peut-être discret, mais peut-être avec vous pour le 25, en fin d'après-midi, pour voir un peu D'accord. comment ça se passe dans l'équipe de France. Et puis de toute façon, je couvrirai l'événement de bout en bout, dès ton arrivée à Saint-Brévin-les-Pins, hein, il n'y a pas de problème. Bon, D'accord. écoute, merci Allez, et merci. à très bientôt. Donc là, je vais couper. Mon sentiment est bon, les impressions sont bonnes. Les bières ne sont pas trop roulantes, ce qui est plutôt un avantage pour le jeu de lavande. La salle est très belle, les conditions sont vraiment regroupées pour qu'il y ait, je crois, des performances. Et une petite précision de plus, c'est que je pense que le fait de jouer avec des Pro Cup est un net avantage sur les draps qui sont excessivement tendus, tout neufs. Alors il y a un fort glissement aujourd'hui puisque c'est le début du championnat, mais je pense que les Pro Cup sur des draps neufs sont plus faciles à jouer car les billes sont moins folles que la Super Aramite de luxe ou la Tournament par exemple. Dans les premiers matchs, le point d'entrée, ça posera un problème ou pas? Je l'ai testé, je l'ai testé. Apparemment, non. Si ce point est joué doucement, bien évidemment. Là, il est. Enfin, je me suis échauffé. Il était 11h moins 20. D'ici 14h, même 15h, le début de la compétition, le début des matchs, le matériel peut encore changer. Parce que, assurément, actuellement, nous avons qu'une trentaine de personnes dans la salle. Si la salle chauffe, évidemment que les billards changeront. Et que les billards peuvent très bien devenir très très longs, allongés d'une mouche supplémentaire, par exemple, d'ici 3 heures. D'accord. Et là, j'ai vu tout à l'heure que tu as fait un petite réflexion. J'ai l'impression qu'il y a eu sur un rappel dans le tir, j'ai eu l'impression que la bille a dévié un peu. C'était Ouais, ça c'est un un. accident ou c'était... Ben ça c'est un problème, oui, ça dévie. Enfin, sur le billard sur lequel j'ai joué, ça dévie d'une bille et demie dans la largeur. Et eh bien évidemment pour la bande, pour les prises d'américaines, c'est quelque chose de très gênant, puisque si le billard n'est pas à nouveau réglé, la seule façon de parer à ce problème, ce sera de jouer tous les rappels plus forts. Et bien entendu, au niveau du résultat, les billes seront beaucoup moins regroupées. Et donc ça crée de fortes complications pour le jeu, enfin, du moins les séries. Attention, Alain Raymond, France!
contre Alain Raymond France. Arbitre, monsieur Garona. Pendant que Caudron termine sa partie face à Baka, le jeune tchèque, pas beaucoup de difficultés pour Caudron, qui déroule son jeu habituel. Sur le billard numéro 1, donc Alain Eisinger souffre beaucoup. La partie est tendue. Il y a un souci de défense ou de ne pas prendre de risque évident. Ce qui fait que les positions s'enchaînent sans beaucoup de solutions. On n'est plus sur la recherche d'une série. On cherche surtout à assurer. C'est compliqué. Zentner n'est pas du tout à son assiette là pendant une première partie de match. Il souffre beaucoup. Alain va prendre la tête assez rapidement, mais sans faire d'écart. Et ce sera ainsi jusqu'à mi-parcours. Et petit à petit, Zentner va reprendre un peu confiance et sans faire de grandes séries, va peut-être mieux assurer la rencontre. On n'a pas l'habitude de les voir jouer de cette manière. C'est clair que les deux joueurs sont très forts. Mais là, il s'agit de ne pas perdre. Les Zegner s'en est un peu mieux sorti que Cana. Va-t-il égaliser? En fait, c'est encore possible, bien évidemment. On y croit. On sent la salle très attentive. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu le Alain habituel dans cette partie. En tout cas, il n'a pas eu l'occasion d'exploiter son talent, en particulier sur le 8e de billard. Il n'a pas eu de position. Ça a été vraiment un match très, très, très difficile et très compliqué. Voilà, donc c'est la fin du match. Zegner assure l'essentiel, c'est la victoire. Ça lui permet de prendre une position beaucoup plus confortable pour la suite. Alain rentre dans son deuxième match dans de meilleures dispositions, a priori. Très rapidement, il retrouve son jeu habituel et on voit tout de suite que la partie va pas durer. C'est le sentiment que l'on a. On le voit bien, ses prises de position sont bonnes. On retrouve le Alain que l'on connaît. La confiance revient.
sans avoir fait de grandes séries. Bon, il a quand même fait une série de 68, arrêtée malheureusement par un butage sur la bille de près, bien regrettable. Enfin, ça n'a pas compromis sa victoire dans ce match-là. Il va finir le match. Une œuvre reprise qui est quand même tout à fait habituelle pour lui. Et qui lui assure la possibilité de passer en battant Caudron. Bien, le grand match pour Alain démarre. Tirage au sort favorable pour lui en tout cas. Bien qu'avec Caudron, le point de départ n'est pas. N'est pas un souci. Le démarrage est plutôt lent pour les deux joueurs. Il n'y a pas de position vraiment facile. On constate beaucoup de butage. Ils le confirmeront tous les deux après le match d'ailleurs. Ils ont eu beaucoup de butage et ça les a un peu perturbés. On sent que la confiance n'est pas totale. Pour les deux joueurs d'ailleurs, c'est pareil. Caudron manque des points inhabituels pour lui. Mais Alain a un petit peu mieux démarré, sans faire de décision.
pensais effectivement que pour battre Caudron, il fallait qu'il fasse une partie un peu de reprise, avec une grosse série. Mais le match se déroule pas du tout comme prévu. Caudron n'a pas de pression particulière puisqu'il est déjà qualifié, ayant eu 2 victoires sur Zeckner et Baka. Donc pour lui, le deuxième tour est déjà assuré. C'est à Alain d'aller gagner ce match et surtout ne pas faire trop de reprises puisque ça pourrait, en cas de victoire, se jouer à la moyenne avec Zeckner. C'est confirmé parce que Zeckner a déjà terminé son match contre Baka, donc il n'y a plus le choix. Il faut maintenant une victoire pour Alain. Mais ça ne s'arrange pas vraiment. Il a beaucoup de difficultés à retrouver les conditions d'une série. Mais il ne passe pas la main, il a de la volonté dans le billard, dans les coups à mi-distance, il s'en sort plutôt bien. On va passer la main sur ce coup, mais rien n'est joué pour l'instant. Caudron va prendre un petit peu d'avance, en plus, une vingtaine de points après la mi-temps. Évidemment, le grand joueur de 3 bandes, qui est Caudron, champion du monde en titre, n'est absolument pas gêné par le coup que laisse Alain. Enfin, Caudron n'est impressionné par pas grand chose en fait. C'est ce qui fait sa force à la bande. Position très délicate, que va-t-il nous sortir? La rouge a priori est collée, pas beaucoup de solutions de ce côté-là. Et voilà, le Caudron, toute la classe d'un très très grand champion. Pendant ce temps, Bernard Villiers se qualifie pour le deuxième tour en gagnant son troisième match. Voilà,
fin de partie avec une position très inconfortable. Il s'en sort très très bien d'ailleurs. Maintenant qu'il va falloir sortir la série pour finir, puisqu'on approche de la fin de match. On le voit, il n'est pas tendu, hein, il joue de façon très souple et très, très juste en fait. Hein, c'est les positions qui sont compliquées. Peu de chance en fait sur ce match, à mon avis. Il pouvait largement le gagner, mais les circonstances n'ont pas été favorables. Caudron enchaîne pour finir. Et voilà, dernier point pour Caudron. Bon, Alain va se retrouver maintenant pour un match nul, mais puisque Zegner a gagné son deuxième match, il n'y a plus de possibilité maintenant de passer, même avec un match nul. Ça ne suffit pas pour passer au deuxième tour, donc c'est pour l'honneur. On s'attend au match nul, ça semble tout à fait possible, d'autant plus que les billes sont regroupées dans l'angle, donc situation extrêmement favorable pour Alain. C'est vrai que sur ce billard, il y a un léger tombé sur la longueur. On retrouve ce tombé comme le cours précédent et qui va lui créer un problème énorme, cours injouable. Enfin, la bicole, il va pouvoir remettre sur bouche probablement. Avec un peu de chance, il aurait
il aurait pu terminer sur cet angle-là. C'est à refaire. C'est à l'image un peu de son match. Vraiment pas beaucoup de réussite. Il en faut pour battre Caudron quand même. Eh bien non. Le match est fini. C'est dommage pour Alain, on aurait bien voulu le voir poursuivre au deuxième tour. Pas de chance, on est sur une poule quand même très forte. Après la déception du sportif, hein, je veux dire, elle est naturelle. Hein, je veux dire, t'étais pas venu là pour sortir au premier tour, c'est clair. C'est toujours sur le plan sportif, sur le plan du champion, comment tu analyses ce qui s'est passé au cours de cette journée et demie de premier tour. C'est ça qui m'intéresse de sonder. Comment tu analyses cette situation-là, indépendamment du stress que tu as accumulé par rapport à ton activité de professionnel, quoi. Sur le plan sportif, est-ce que tu as des choses à dire qui pourraient intéresser les gens de voir ce qui se passe dans la tête d'un champion quand il est confronté à une compétition de ce niveau-là, quoi. C'est ça que je voudrais que tu expliques. On est, c'est bon. Oui, vas-y. Ouais. C'était ce premier match, il avait une importance vraiment capitale pour moi. Je pense que j'ai fait de mon mieux au niveau de ma préparation et pour pouvoir être performant dans cette première rencontre. Malheureusement, le billard était très difficile, et beaucoup de butage. J'étais un petit peu en perte de confiance. J'étais un petit peu en perte de confiance les 15 derniers jours avant au tournoi de Soissons, parce que j'avais déjà subi un petit peu de difficultés comme ça avec de nombreux butages. Alors j'avais réellement besoin de me remettre un petit peu en confiance. Et j'avoue que, à ma grande stupeur, je me suis assez bien senti au cours de cette partie. Malheureusement, la bande est un jeu très ingrat et j'ai pas eu forcément beaucoup de réussite, surtout en début de partie. Et puis, maintenant, la gestion, je pense qu'au niveau de la gestion du stress, j'avais fait ce qu'il fallait. C'est pas forcément très facile de jouer, non pas chez soi, mais quand même un peu devant son public. Je pense que tous les joueurs français pourront dire la même chose que moi. On a toujours un petit peu de pression parce qu'on sent que le public est vraiment derrière nous. Donc, à la fois, ça peut nous aider, être favorable par moment, et dans d'autres moments, être un petit peu handicapant. Et voilà, mi-partie, je me suis justement mis peut-être un tout petit peu trop de pression, dans le sens où... Je ne me suis peut-être pas autorisé à pouvoir perdre, je n'avais plus le droit de perdre cette partie. Et je me suis mis énormément de pression et j'ai commis une ou deux erreurs qui ont été fatales. Et donc j'ai perdu ce premier match. Donc, tu fais le deuxième match contre le Tchèque, hein, Monsieur Baka. Et là, tu as quand même une jolie séquence en milieu de match, à peu près. Là. On a l'impression de retrouver le Alain qu'on aime bien, tout le monde. Le spécialiste de la bande avec son huitième, la force dans son huitième de billard. Et puis, donc, on s'est dit, ça y est, il a effacé la défaite du premier match et il reprend confiance, etc. Donc, tu as eu ce sentiment que tu retrouvais un peu confiance pendant ce match ou pas? Disons que j'ai pris sans sous-estimer du tout mon adversaire, en respectant tout à fait mon adversaire, il fallait absolument, avant de jouer la partie, une partie très importante, le match suivant avec Caudron, j'avais besoin de retrouver de la confiance perdue au cours du premier match. Et pour cela, je pense que la meilleure solution, c'était de réussir à mettre du rythme dans mes séries. Puisque à partir de la mi-partie au cours du premier match, j'ai tendance
à plutôt ralentir, ce qui n'a pas été un avantage. Donc j'ai plutôt accéléré et tout de suite je me suis senti beaucoup mieux. Les sensations sont revenues. Alors j'ai fait une partie, oui, convenable. 9 reprises, 150 points, oui, mais quand même avec toujours un petit peu de, malgré tout, de déchets dans mon jeu. Alors, ce qui prouve qu'on peut, à la bande, donc, même si on fait des parties parfois entre 15 et 20 de moyenne, qu'on peut très bien très mal jouer. Donc, et je n'ai pas été très performant dans la qualité de mon jeu, hormis, à un moment donné, une série bien jouée, comme je prends plaisir à les jouer. Qui a été stoppé malheureusement une fois de plus par un butage. Donc voilà, c'est frustrant. C'est voilà, et ensuite bon, j'ai réussi à terminer la partie contre un joueur tchèque plein de talent, très fougueux, qui voilà, c'est un jeune joueur qui à mon avis deviendra un grand joueur de bande parce qu'il est très adroit. Et donc, et j'avais peut-être un petit peu sous-estimé en début de match, mais rapidement il m'a fait voir que ce qu'il savait faire, qu'il était pétri de qualité. Et donc, très vite, je me suis repris en me disant attention, il faut jouer sérieusement et respecter l'adversaire. On arrive au troisième match, donc tu as un match gagné et un match perdu, et tu joues contre Caudron, donc c'est effectivement une forte pression, puisque là et tu dois gagner pour passer. Et gagner contre Caudron, ça reste toujours un exercice compliqué, même quand le Caudron, il n'est pas forcément au top. Je ne sais pas d'ailleurs comment on peut situer la prestation qu'il a réalisée là, mais enfin, toujours est-il qu'il n'a pas fini la partie en 3 ou 4 coups ou 5 coups. Hein. Donc on s'est dit, tiens, ça va être une belle bagarre à la fin, etc. Dans quel état d'esprit tu étais pendant cette partie ? Je, à vrai dire, je me suis carrément surpris moi-même parce que, mais je pense que mon travail de fond depuis 2 ou 3 mois, j'ai vraiment, il y a eu l'entraînement, la préparation évidemment du championnat du monde, physique, avec les billes à l'entraînement chaque jour bien sûr, mais il y a eu surtout un travail que j'ai fait en profondeur avec une approche psychologique pour pouvoir au mieux jouer mon jeu et de ne pas être complètement bridé, même contre les plus forts. Donc j'étais vraiment préparé depuis des mois à jouer des parties très, très relevées contre de très forts joueurs comme lui. Et à vrai dire, je me sentais très très bien. On a commencé la partie et j'étais bien, j'ai réalisé des points difficiles. Je n'ai pas passé la main facilement. Malheureusement pour moi, pas trop de réussite sur les 3 premières reprises. Beaucoup de points très compliqués réussis et jamais de position favorable au cours des rappels, qui m'aurait peut-être permis de pouvoir créer peut-être avoir un petit peu plus d'avance que l'avance que j'ai pu prendre à mi-partie par exemple. Donc, mais j'étais tout à fait préparé. Et si je dois garder quelque chose de bien de ce championnat du monde, malgré mon élimination, je dirais, assez précoce dans le championnat, je suis très très heureux d'avoir réussi à m'exprimer. C'était une partie très compliquée à cause du matériel. Je pense que, et sans exagération, qu'on a eu entre 40 et 50 butages à deux dans la partie. Bien évidemment, les déviations également, le jeu de bande, on le sait tous, est un jeu très compliqué, très ingrat, qui déjà, même sur du matériel irréprochable, est un jeu parfois compliqué. Alors lorsque le matériel s'en mêle, ça devient très compliqué. Alors là, à cause certainement du drap Gorina, d'énormes déviations, donc... sur des positions assez un petit peu éloignées de la bille numéro 2, 40-50 cm. La peur de rater, de mal toucher la 2 par déviation, m'a obligé, comme lui également, à appuyer tous les coups, sans cesse, pour être sûr de toucher au bon endroit. L'inconvénient, c'est que le coup suivant, on assure le premier point. Le problème sur le coup suivant, c'est que l'assurance prise, le coup précédent, nous met un petit peu trop loin des billes le coup d'après, et le coup suivant, le résultat d'exécution du point devient complètement, enfin très aléatoire.
Et donc, on ne fait que subir le jeu constamment. Et lui, comme moi, on a couru après les billes, on s'est battu pour essayer de dompter ces trois billes indomptables pendant près de 2 heures. Et lui a mieux tiré son épingle du jeu. J'ai joué toutes mes chances, même si je n'ai pas gagné. J'ai joué les trois dernières reprises. J'ai joué les points qu'il fallait pour me donner toutes les chances de pouvoir gagner ce match. Je savais qu'il fallait que je termine en moins de 17 reprises pour passer devant Zeckner et me qualifier. Donc à partir de la 14e reprise, j'ai joué le tout pour le tout. J'ai pris des risques. Et une fois de plus, j'ai raté deux fois des rappels très compliqués, mais où j'avais l'opportunité de pouvoir finir la partie et de me qualifier, puisque j'avais, une fois de plus, aussi fait le bon choix. J'avais fait commencer Frédéric, j'avais gagné le tirage à la bande, et donc j'avais de bonnes raisons d'avoir en plus un bien-être constant dans la partie, puisque chaque fois qu'il ratait, en fait, à chaque reprise, je savais que j'avais encore deux coups à jouer. Et ça m'a amené en plus une tranquillité supplémentaire, intérieurement, je parle. Et malheureusement, comme on dit, j'ai mis trois fois le nez à la fenêtre pour essayer de... J'ai joué toutes mes chances et j'ai raté de très très peu, vraiment, ces points. J'ai pas réussi à reprendre les billes. J'ai laissé, évidemment, deux positions assez faciles. Et il a su en profiter et j'ai perdu. Maintenant, j'ai un regret de ne pas être qualifié, mais j'ai joué vraiment toutes mes chances dans ce match. J'étais surtout heureux d'avoir pu jouer mon jeu, pouvoir m'exprimer complètement. Et voilà, c'est mon côté positif du championnat du monde, mon bilan positif du championnat du monde, même si je n'ai pas réussi à faire ce que j'espérais.